Déjà, selon vous, quelle serait l'origine de la réussite de Nathalie Nkoa? Je vais vous donner trois propositions, vous me dites ce que vous en pensez. Le buzz sur Internet, le bon sens des affaires ou la chance? Et toi? Mais pourquoi? Papa, pour moi non, c'est le piment. C'est le piment. What? Dans le buzz sur Internet. C'est le buzz. D'accord. Oui, oui. Donc c'est ça. Buzz. Donc c'est pas qu'elle a un bon sens des affaires ou... Le sens des affaires, c'est dans sa tête. Oui. Le reste là, c'est le piment. Bonsoir ma chérie. Bonsoir au papa. Moi c'est Francky. Moi c'est Régine. Enchantée Régine. Merci. Alors si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, et nos internautes aussi. On a vécu tous ensemble la situation actuelle avec Nathalie Nkoa. Je vais te donner trois propositions et tu vas me dire selon toi, quelle est la réaction, qu'est-ce qui te paraît plutôt juste la concernant. Alors selon toi, quelle serait l'origine du succès de Nathalie Nkoa? Première proposition, le buzz sur Internet. Deuxième proposition, le bon sens de l'entrepreneuriat ou la chance. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Bon, pour moi, je dirais que c'est le bon sens des affaires. Le bon sens des affaires. Oui. C'est pas un coup de chance? Bon, c'est, chacun a d'abord sa chance dans la vie. La chance précède l'acte. Mm-hmm. Donc, il faut d'abord faire quelque chose avant d'espérer avoir de la chance. Oui. Donc, si elle n'a pas osé, elle ne pouvait pas avoir de la chance. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que, quelque part, sa réussite ne découle pas du buzz sur Internet. Bon, ça peut aussi être tout ça. Ça peut aussi être tout ça. Oui, on ne saurait peut-être se figer soit sa réussite sur Internet. Ou, bon, ça peut aussi être de tout ça, ça qui a fait qu'elle soit... Non, en réalité, qui ait eu le buzz sur Internet ou pas, au vu de ce qu'elle a réalisé, elle l'aurait toujours réalisé. Elle l'aura toujours réalisé. Je te remercie. Merci beaucoup. Quelle serait l'origine de sa réussite? Est-ce que c'est le buzz sur Internet, le bon sens des affaires ou la chance? C'est pas la chance ni le buzz sur Internet, c'est son métier qu'elle a eu à faire. Non? Quel métier comme ça? Tu peux nous dire? Gars, tu m'envoies un tollé. Oui, mais parle, non. Dis ouvertement, appelle Chapa son nom. Mais tout le monde, même quand on appelle Chapa son nom, on appelle ça sous couvert. Donc, elle a le métier qu'elle a eu à faire pour. Je ne vais pas se m'en citer. Donc, selon toi, c'est son métier que tu dis sous couvert qui l'a fait réussir. Justement, même alors, ça a tout dit. Kelly, les gars. Vous avez peur de nous. Ah. Oui, maintenant c'est son qui parle. Même Steve, il a dit des mois sur interview que ce qu'elle a eu à faire, ça qui l'a élevé. Et elle disait même que il y a des jeunes qui veulent être comme elle. Oui. Elle est que bon, elle ne conseille pas d'être comme elle, mais elle a fait ce métier, elle ne refuse pas. Oui. Mais elle a fait ce métier. Elle confirme qu'elle a fait ce métier. Mais justement. Tu peux nous dire de quel métier il s'agit? Man. Dis un peu non. Tous les jeunes le savent. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ouais. Tu peux essayer d'éclairer la lanterne. Moi, je sais que j'avais suivi qu'elle a fait le déo. Donc, elle vendait le piment. Elle vendait le piment. Oui, justement, elle dit que ça sort dans sa plantation. Qu'elle cultive le piment. Elle a un champ de plantation. Oui, elle dit qu'elle a les plantations. Ah, ok, à Nourum, non. C'est pas ça. À Nourum. On va le faire à Nourum, non. Je te remercie. Ok, merci. Nous voulons savoir, selon toi, quelle serait l'origine de la réussite de Nathalie Nkoa? Je te fais trois propositions. Le buzz sur Internet, le bon sens de l'entrepreneuriat ou la chance? Les trois. Les trois. Comment ça? Bah, tous ces paramètres là constituent c'est pas sa gloire et tout. Moi, il me dit que ce sont les trois. Oui, tu peux un peu nous expliquer pour qu'on comprenne réellement. Déjà, le bon sens de l'entrepreneuriat. Oui. Déjà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Elle a su entreprendre les choses et ça a pu marcher. Et tu as dit la chance. Oui. Je crois que tout le monde a son grain de chance sur cette terre. Mm-hmm. Et tu as encore dit quoi?
Le beurre sur Internet. Le beurre sur Internet, ça c'est avec tout la toute sa réputation là, c'est, je crois que les trois contribuent à sa réussite. J'ai l'impression que la réputation a permis à ce qu'elle ait une grande visibilité, d'où une grande communauté pour entreprendre son business. Oui, bien sûr. D'accord, je te remercie. Déjà, selon vous, quelle serait l'origine de la réussite de Nathalie Nkwa? Je vais vous donner trois propositions, mais dites ce que vous en pensez. Le beurre sur Internet, le bon sens des affaires ou la chance? Papa, pour moi non, c'est le piment. C'est le piment. Mm-hmm. Dans le buzz sur Internet. C'est le buzz. D'accord. Oui, oui. Donc c'est le ça. Buzz. Donc c'est pas qu'elle a un bon sens des affaires ou. Le sens des affaires, c'est dans sa tête. Oui. Le reste là, c'est le piment. Le reste, c'est le piment. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Je te remercie. Mm-hmm. Nous avons tous vécu la situation avec Nathalie Nkwa. Je vais te poser une petite question. Et je vais te faire trois propositions, tu vas me donner ton avis sur les trois propositions. D'accord. Alors, selon toi, quelle serait l'origine du succès de Nathalie Nkwa? Première proposition, le buzz sur Internet. Deuxième proposition, le bon sens de l'entrepreneuriat ou la chance? Quoi, le buzz sur Internet, non. Le buzz sur Internet. Ouais. Donc, tu penses que c'est de là que a tout découlé, justement? Bien sûr. Son succès. Ouais, bien donc, sûr. Si nul n'avait été le buzz, elle n'aurait jamais réalisé tout ce qu'elle a réalisé. Oui, en fait, c'est son buzz qui a fait avoir la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Et ça l'a permis de faire son entrepreneuriat, ouais. De se faire connaître du grand public et tout ça. Donc, selon toi, c'est le buzz sur Internet. Voilà, c'est ça. En fait, elle a su exploiter le buzz. Voilà. D'accord, je te remercie. Ah, je t'en prie. Nous avons tous vécu le buzz avec Nathalie Nkwa. Je vais te poser une question, je te fais trois propositions, tu me donnes ce qui, selon toi, t'arrange. Selon toi, quelle serait l'origine de la réussite de Nathalie Nkwa? Je te fais trois propositions. Le buzz sur Internet, le bon sens de l'entrepreneuriat ou la chance? Moi, c'est la vente du piment. La vente du piment? Ouais, ouais. Bon. On a tous vu comment elle a brise. Donc pour moi, c'est la quatrième réponse. La quatrième proposition. La quatrième proposition, la vente du piment. La vente du piment. Ouais, donc ouais. Toi, tu sais qu'elle a brise qu'en vendant le piment. Oui, oui, c'est comme ça, moi, je sais qu'elle a brise. D'accord. Je l'ai connue comme ça. Tu l'as connue comme ça. Ouais. Donc c'est par là que tu as même su qu'elle existait. Elle existait. D'accord. C'est tout. Je te remercie. Merci à vous. Quelle peut être l'origine du succès de Nathalie Nkwa? Premièrement, le buzz sur Internet. Deuxième chose, est-ce que c'est parce qu'elle a eu la chance? Troisième chose, est-ce que c'est parce qu'elle connaît entreprendre, elle connaît faire les affaires? De là, je ne sais pas comment je peux te répondre. Hein. Oui. Parce que c'est Nathalie, elle ne l'a jamais vue. Oui. Bon, je n'ai jamais entendu son histoire. Je ne suis pas intéressée de ce qui se passe sur Internet. Oui. Bon, de là, je ne sais pas comment je peux te répondre. Oui. Pour moi, bon, je crois que c'est juste la chance qu'elle a eue. Elle a juste eu la chance. Oui. Oui. C'est vrai que toute personne qui réussit a eu la chance. Et c'est ça. Oui. Quand tu bosses fort, tu avances dans la vie. Mm-hmm. Quand tu ne bosses pas, tu ne peux pas avancer dans tu la peux vie. Pas avancer dans la vie. Moi, je crois que c'est toi. Je te remercie. En fait, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, selon vous, quelle serait l'origine de la réussite de Nathalie Nkwa? Et vous faites trois propositions. Le buzz sur Internet, la chance ou le bon sens des affaires. Le bon sens des affaires. Le bon sens des affaires, dans quel cadre? À cause de ses entreprises ou bien? À cause de ses entreprises, non. Oui. Étant donné que c'est une femme réfléchie, je pense qu'avec avec cela, elle a pu bien mettre sur pied pour agrandir ses entreprises. Oui. C'est un peu ça, selon moi. Okay. Donc le buzz n'a pas permis en sorte qu'elle ait une grande visibilité, alors? Le buzz vient juste s'ajouter dans ce qu'elle, déjà, elle avait... Qu'elle avait déjà? Oui, mm-hmm. À faire. Pour moi. Donc le buzz vient juste mettre un peu plus la lumière sur ce qu'elle faisait déjà. Au départ, oui. Okay. Je te remercie. Quelle serait l'origine de la réussite de Nathalie Nkwa? Je t'ai fait trois propositions. Le buzz sur Internet, le bon sens de l'entrepreneuriat ou la chance? Non, le sexe. Le sexe? Oui, le buzz sur Internet. Oui. Oui, c'est son fort, oui, c'est son domaine. Donc tu supposes qu'elle a vendu que c'est le piment et tout. Le piment, ils ont travaillé le piment. Mais même elle a dit que le piment, c'est dans sa plantation, qu'elle cultive le piment. Non, tout ça fait plus embrouillé. Nathalie Nkwa est fait dans le sexe, donc le piment, c'est sa réussite. Oui. Oui, ça, sa réussite. Selon toi, c'est l'origine de ça. L'origine de sa réussite, il n'y a même pas de l'entrepreneuriat. Non, elle est venue. Ces entreprises qu'elle nous dit là. Non, ça, c'est du buzz, c'est du bluff. Elle est née dans le piment. Elle fait du piment et elle vit du piment. Elle vit du piment. Oui. D'accord. Je te remercie. Merci.